écouter et regarder euh, 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 donc euh, cette, euh, cet éditorial du mamadou jambalde notre doyen l'effet boomerang d'une guerre à l'usure on va l'écouter et regarder derrière on, re, on se retrouve pour faire notre tour de table éditorial l'effet boomerang d'une guerre d'usure dans l'épreuve de force entre le cnrd et les médias mainstream à chaque jour sont lot de mauvaises nouvelles pour les radios brouillées c'est le moins que l'on puisse dire, vu que l'air le porte-flingue de la junte vient d'en remettre une louche à cette descente aux enfers des médias blacklistés pour leur impertinence. À travers une série de réclamations, des redevances qui frisent le harcèlement, dans un contexte pourtant marqué par une baisse drastique des activités au sein de ces entreprises de presse, avec pour corollaire des pertes d'emplois estimées au bas mot à 500 personnes. Un chiffre qui fait froid dans le dos, tout en étant susceptible de heurter les bonnes âmes dans un pays où l'emploi ne court pas les rues. Quand on sait que tout ce beau monde qui était régulièrement payé rubis sur ongle en soit désormais réduit à vivoter en faisant la manche. Qu'on pourra en imposer davantage aux médias en difficulté? L'ARPT s'amuse aussi à y déployer des équipes sous fortes escortes armées, de manière inopinée, sous le prétexte fallacieux de contrôler la conformité de leurs équipements. On peut certes le lui concéder en tant que régulateur, sauf que le moment est mal indiqué. Par Dieu Tout ça mis bout à bout fait penser à ce aphorisme de Jacques Chirac qui disait que Les amerdes, ça vole toujours en escadrille. Fin de citation. La finalité de ce David contre Goliath étant d'avoir à l'issue les médias brouillés que sont Dioma FM, Espace FM, Evasio FM et FIM FM. Le général Mamadi Doumbouya, revêtu du manteau de Jupiter, en vient ainsi à devenir un croque-mitaine pour une presse qu'il a pourtant portée au pinacle, on ne le dira jamais assez. Même si la lune de miel entre Jupiter et Mercure n'aura duré que le temps d'une rose. Retranché dorénavant dans sa tour d'ivoire, le président n'en a cure les empêcheurs de régner en rond. De toutes les façons, il a sa RTG, ce média taillé à la mesure du tout-puissant locataire du palais qu'il est. Hegel a d'ailleurs écrit à propos que l'histoire se répète toujours, ceci expliquant sans doute cela. Bien que ce bras de fer entre les médias mainstream et le CNRD ne soit pas à armes égales, ceux-ci ne doivent pas pour autant jeter le manche après la cognée et aller à la canossa. Ça serait tout simplement se faire harakiri, car ces médias devraient plutôt adopter la stratégie du fight and talk, qui signifie combattre et dialoguer, en se serrant les coudes pour résister avec la bénédiction du mouvement syndical. Car, contrairement aux apparences, c'est plutôt le pouvoir qui a plus à perdre dans cette preuve de force, son capital confiance étant fortement effrité au sein de l'opinion publique. C'est là qu'intervient M. Baouri, qui vient d'être fraîchement nommé à la tête de la primature, comme une sorte de chaînon manquant pour reconstituer le puzzle, dans l'espoir qu'il puisse dénouer la crise en seul la paix des braves entre les deux parties. Il a d'ailleurs promis de s'y investir, étant conscient que les politiques et les journalistes sont condamnés à travailler ensemble, même si à sa décharge, on peut recourir à ce tadage bien connu qui dit que même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Lui qui sait si bien manier l'ambiguïté, réussira certainement là où son prédécesseur, docteur Bernard Goumaud, s'était comporté en ponce pilate. Les journalistes sont insupportables. Et indispensable, selon Alain Mink, maître à penser d'Emmanuel Macron. Une citation à l'attention de ceux qui voudraient imposer une camisole de force aux journalistes perçus comme des fouilles-merdes. C'est le lieu de saluer la présence d'une mission de l'ONG Reporters sans frontières dans nos murs depuis lundi en ces temps de galère. Une manière pour ces défenseurs de la liberté d'expression de contribuer sans doute à rasséréner les esprits. Le tout avec l'onction de Saint François de Sales, le saint patron des journalistes. Mamadou Djan Baldé. Ah, c'était donc l'éditorial, c'était là l'éditorial de Mamadou Djan Baldé, euh, doyen de la presse, euh, vieux routier de ce métier qui est très triste de loin en voyant ce qui s'abat sur cette corporation très illégalement. Ben, nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine.